Bonjour, bonsoir, ça dépend de un qui lobby qui côté ou se voit nous fournir encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans la nouvelle émission jeudi qui c'est mardi 22 octobre 2024. D'entrée de jeu, nous avons passé un bon mardi en notre compagnie et nous avons demandé à commencer FSJS qui a toujours aimé faire, qui a un like dans la vidéo, ça commenter, partager et des vidéos, ça a pu passer 1000 likes, qui a eu plusieurs commentaires et puis partager. Tout autant que vous êtes capable de faire ça, ça va aider Chanel à continuer piquer pour plus de vent. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bras de fer entre deux têtes dans l'exécutif là, les continuer là et ceci, les prenons l'autre dimension cette fois-ci. La présidence avec primature engagée là, une lutte acharnée sur place publique pour qui laisse dans les deux qui gagne plus influence sur l'armée d'Haïti avec la police nationale d'Haïti et c'est vraiment honteux pour le pays d'Haïti. Il y avait spectacle ça que deux têtes yo dans l'exécutif là bail surtout hier. Il y a plein de monde qui a posé tête yo question est-ce que pas un coup d'état qui a préparé là dans le pays d'Haïti ou bien est-ce que plus gros responsable pays a au pape à travers comportement ça conduit nous-mêmes vers une guerre civile en dans pays a. Est-ce que par le fait que conseil présidentiel là estimé ou bien rendu compte que les pas moyen pour politique li pour l'état limoger gaikoni pour l'état révoquer gaikoni craser gouvernement ça et puis mettre un l'autre campé et bien il y a pas utilisé dernier grain de munitions, dernier grain de cartouches qui gagne dans l'arsenal là, qui c'est l'armée d'Haïti, puisque nous connaissons, amis internautes, que selon maman loi pays, chef suprême de l'armée d'Haïti, c'est le président de la République. Donc, dans ce cas, c'est un conseil présidentiel. Dans le cas ça, mesdames et messieurs, est-ce que l'armée d'Haïti, tout, je ne dis pas, est prêt pour les obéir avec le conseil présidentiel là, au détriment de Gaïkoni, ou du moins, est-ce que vous voulez rallier plutôt avec Gaïkoni à côté police nationale là? Est-ce que Gaïkoni, li arrivé gen contrôle total sur police nationale là tout qui c'est principale force en dans pays a ou bien est-ce que c'est plutôt conseil présidentiel là qui gagne contrôle ça. En tout cas bataille là lancée mesdames et messieurs et alors nous allons expliquer tout ça qui passé hier et tout danger qui pendait sur tête pays là avec comportement dirigeant nous yo. Pas oublier si pour vous abonner avec Chanel ça mesdames et messieurs c'est mon pour faire ça pour venir faire partie de grande famille ça Chanel grande puissance là cliquez qu'on y a la même sur s'abonner puis activer petite cloche en notification qu'on soit toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder on va directement dans développement information nous parti. Président Conseil présidentiel de transition, il continue là à afficher tout problème, tout différent que li gagné avec la primature sous place publique. Eh bien, nous connaît que deux entités sa yo qui t'a doué faire un seul, qui t'a doué mettre tête yo ensemble pour gouverner le pays, rétablir sécurité et puis diriger nos droites vers les élections. Eh bien, plutôt là, divisé sur plusieurs points, notamment sur une question de remaniement ministériel. Eh bien, Leslie Voltaire avec Gaïkoni yo affiché au grand jour des articulations de transition lorsque yo chaque bon côté pa yo, yo formé un exécutif à part entière pendant que nous connaissons que la présidence et puis primature dans le pays d'Haïti c'est un exécutif unique à deux têtes qui t'a dû travailler dans parfaite harmonie. Et bien, jour était dimanche 20 octobre qui s'est passé à la chef gouvernement qui t'a visité quartier général force armée d'Haïti. Moins passé 24 temps après, il y a un président conseil présidentiel là qui est même tout visité quartier général force armée d'Haïti. Président conseiller présidentiel de transition, Leslie Voltaire, il était accompagné avec quelques autres membres de conseil présidentiel là. Il était conduit hier lundi 21 octobre 2024 là, une nouvelle rencontre de travail avec commandant en chef force armée d'Haïti, lieutenant général Derby Guerrier, directeur général police nationale là, monsieur Normil Rameau et puis des hauts gradés de institutions policières là, c'est ça que nous capable lire sur page la présidence. Et bien, réunion stratégique ça selon note ça. La présidence était publiée. Il était pour objectif pour réviser et puis mettre à jour disposition qui déjà prend pour coordonner les efforts pour rétablir l'ordre sur ensemble territoire. C'était tout occasion pour que vos responsables en matière de sécurité capable évaluer situation préoccupante qui gagne dans Port-au-Prince avec plusieurs autres villes provinces. C'est ça que note la présidence. De fait qu'on est hier parallèlement, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Primature tout, bon côté Pali, Gaïkoni en bon cinéaste, gouvernement, Gaïkoni là, un bon gouvernement, album photo, Jean-Claude Pilmon a traité yo, et bien, on t'a inondé
plateforme en lien avec photo vidéo sous visite premier ministre Garry Conille dans quartier général la force armée d'Haïti dans académie de police toi te gen treyi militaire sous li et bien il était accompagné avec chef la police nationale là Garry Conille t'a passé troupe en revue il t'a essayé motiver yo. Mais Garry Conille, mesdames et messieurs, c'est comme si m'ta dit ouais, c'est film monsieur vient monter dans tête primature là puisque nous voyons que monsieur fait plus vidéo, plus photo que résultat. C'est ça en tout cas un pile monde considéré jusqu'à présent. J'étais fait des déclarations et primature t'est informé que chef gouvernement l'était visité jour qui était dimanche 20 octobre là dans quartier général la force armée d'Haïti avec académie de police sur route frère Garry Conille informé que l'y convoqué en urgence une réunion de haut niveau avec force sécurité national avec membres gouvernement liant pour le capable évaluer situation préoccupante qui gagnait en particulier dans Port-au-Prince et puis dans région la Tibonite. Moi réaffirmer avec fermeté position nous pas faire bac sécurité concitoyens nous pas négociable. C'est ça que primature bon côté parler yo te scandé sur page Facebook yo avec sur quelques autres réseaux sociaux après réunion que lui même tout il était fait avec chef de force l'ordre pays yo Garry Conille et annoncer tout que les prend décision pour lui ordonner pour y rappeler immédiatement plusieurs centaines de policiers avec soldats de unité d'élite qui actuellement affectés avec protection des VIP. Et bien policiers ça qui fait partie de force spécialisée yo doit retirer des deux VIP yo et puis yo doit intégrer yo pour entrer dans lutte pour bataille avec gang yo dans zone qui gagne des intenses combats actuellement. Chaque membre de unité ça doit désormais contribuer directement dans défendre territoire nous ça que Garry Conille était fait connaître sur compte Exli. Par ailleurs, moi t'ai rencontré tous des partenaires dans communauté internationale là pour nous capable mettre accent sur urgence pour nous renforcer coopération pour appuyer GFOR Conseil supérieur police nationale là et puis force armée d'Haïti. C'est ensemble avec appui de alliés nous yo que n'a pas capable réussir restaurer l'ordre et puis garantir sécurité pour chaque haïtien. Bien parallèlement avec visite sa yo de deux chefs yo dans exécutif là Garry Conille avec Leslie Voltaire, gen groupe criminel yo qui bon côté pa yo te continue à sanctionner population. Deux derniers jours qui sont passés là yo, gang armé yo attaqué plusieurs quartiers dans aire métropolitaine Port-au-Prince là notamment Solino Tabar depuis week-end qui sont passés là en début de semaine en pile coup de zam automatique tap chanté un peu partout dans Port-au-Prince. Gen plusieurs victimes par balle, gen moun ki perdu la vie yo. Malgré situation de terreur ça dans Port-au-Prince, et bien Leslie Voltaire avec Garry Conille yo a couteau tiré, yo pas arrivé à harmoniser action transition pour capable voler au secours de peuple haïtien qui en détresse. Et bien nous apprenons que CPTA yo entend là avancer tête droite vers volonté que vous gagnez pour procéder avec un remaniement au sein du gouvernement alors que primature bon côté pali il dit point ne fait pas yo pas quitter bagay ça passer. Pendant ce temps, pendant deux chefs yo dans exécutif là y a pas gomme pour qui est qui pi chef, et bien les États-Unis bon côté pali yo fourre bouche dans cause a vin essayer mettre de l'eau dans du vin de taux sa yo et bien assistant secrétaire d'État américain pour affaire hémisphère occidental Brian Nichols dans contexte ça qui est flambé par violence gang yo et puis multiplication réunion inutile ça yo capé fait li rappeler à CPTA et puis avec Garry Conille que c'est pas le moment pour livrer yo avec des querelles politiques. Même j'ai été évoqué ça avec CPTA et puis premier ministre là journée jodia nous rivé moment pour gagner une union nationale dans pays d'Haïti pour lutter contre gang yo. C'est pas le moment pour livrer nous avec des querelles politiques. N'a pas soutenu fortement GFOR que premier ministre Garry Conille et puis cabinet y a fait pour avancer dans priorité nationale qui établie par conseil présidentiel là. Ça c'est Brian Nichols qui était publié li sur compte Exli hier lundi 21 octobre là yon façon pour rappeler tout ça yo mesdames et messieurs qui est-ce qui chef tout bon vrai dans pays d'Haïti c'est pas ni yon ni l'autre c'est plutôt la communauté internationale d'ailleurs c'est yo même qui mettait CPTA et c'est eux même tout selon un pile observateur qui capable décider retirer yo à n'importe quel moment. Et bien nouveau message ça de Brian Nichols li vini moins passé yon semaine après message qui a été délivré jour qui était 16 octobre le ça c'était John Fine qui lui-même c'est conseiller adjoint sécurité nationale les États-Unis qui lui-même a tweeté
que dirigeant gen intérêt jounen jodi a pou mete peyi a avant intérêt personnel pa yo et puis kembe promesse que ont fait pour travailler pour peuple haïtien. Assistant secrétaire d'État pour affaires hémisphériques occidentales là Brian Nichols a indiqué que les États-Unis condamnent violence gang yo qui gen objectif déstabiliser gouvernement. Il était tout profité tout pour les saluer MSS là avec la police nationale qui a mené des opérations conjointes et qui ont même réussi à protéger habitants plusieurs quartiers pendant qu'ils ont repoussé gang yo, ils ont capturé des armes, ils ont éliminé de nombreux membres de gang yo. N'a soutenu peuple haïtien, la police nationale haïtienne avec mission multinationale là, y compris GFOR courageux de force kenyane, jamaïcaine, belizienne avec bahaméenne dans GFOR pour établir sécurité. C'est Brian Nichols qui t'a continué à parler dans ce sens ça. Eh bien, amis internautes, pas oublier que, même si nous entendons, ils mettaient Belize, Bahamas, ils mettaient Jamaïque parmi forces qui gagnaient souterrain dans le pays d'Haïti. Mais il faut rappeler que ces 6 Bahaméens, c'est un grain Belizien et puis environ une dizaine de Jamaïcains seulement qui gagnaient dans le pays, mesdames et messieurs. Mais Brian Nichols n'a pas mis de l'eau dans la bouche lito pour lui dire que mon cap chercher déstabiliser le pays d'Haïti pour intérêt personnel. Yo, yo ta doué préoccupé yo davantage de pays d'Haïti et de peuple haïtien, autorité haïtienne yo avec international yo, ap gen pou mande des comptes avec mouna kap déstabiliser pays ya. Eh bien, nous estimons que fois ça, Brian Nichols allait très fort côté que, mesdames et messieurs, monsieur attaqué tout moun net. C'est comme si m'ta dire, c'est dans la cou la kaili, monsieur ap mette l'ordre là, alors que Leslie Voltaire avec Guy Conniez bon côté par yo, yo adonné yo avec yon gros querelle politique, gang yo. Dans l'ouest avec dans la Tibonite pays a attaqué a bouler a tuer a chassé population tout partout Solino Lester Tabar parmi l'autre communauté et bien puis bonheur matin c'était tout pas un carrière qui était victime attaque gang et bien c'est dans contexte ça que nous voyons que dirigeant nous yo un comportement qui vraiment irresponsable et puis diplomate américain lui-même obligé fourrer bouche dans cause de manière très honteux, nous capables de dire, mais surtout pour politiciens, ça y est. La police indiquait que eux-mêmes ont mené des opérations côté que ont tué plusieurs bandits, mais cependant, tout le monde paie, journée aujourd'hui, dans la capitale là, et ils craignent pour ta revivre des semaines infernales, ta cour, ça qui ont été vives, après 29 février qui sont passés à là, l'ancien premier ministre Ariel Henry, que les Américains ont appuyé, pas autorisé pour retourner dans le pays d'Haïti. Il était humilié, monsieur, il était fouqué, monsieur, fait le retirer col dans tête pays, pour faire place avec exécutif, ça, que nous gagnons journée aujourd'hui, qui pas écrit pièce côté, dans maman loi pays, mais qui s'est fruit de yon soi-disant accord qui était signé 3 avril 2024, yon accord pépé, fabriqué de toutes pièces par la CARICOM et l'oncle Sam. La police t'a annoncé, yo, reprendre contrôle quartier Solino avec zone qui environne lieu. Moi, c'est passé 24 heures après, l'institution de la police a fait une annonce comme ça. Bandi yo t'a pral démenti force l'audio. Hier après-midi, nèg yo retourné au niveau de Solino. Yo refrappé pour la plus belle guerrier du seul Ronald des hommes. Moi, parlé avec plusieurs résidents, plusieurs riverains. Je voulais connaître ça qui passait, puisque force l'audio a quand même décrété la permanence pour voir comment ils étaient capables de repousser Bandio, comment ils étaient capables d'empêcher Bandio de réaliser Revio qui s'est pris le contrôle sur l'île dans tout compartiment à toute l'autre zone qui a voisiné l'île. Et puis, je me demandais que les gens retournaient. Et là, je fais compilation ensemble de information qui arrivait joindre moi yo au dans les hommes guerriers du seul moi vinn conclu te gagné un petit relâchement hein bon côté force qui était déployé au niveau de Solino pour te battre avec bandio et à ce qu'il paraît relâchement était fait dans premièrement journée hier maintenant qui ça qui expliquait relâchement ça m'a forcément gagné un élément de réponse cependant pour moun yo comprendre bien on ta capable pour image ça c'est comme si on moun kap veye un objet pour moun ba vinn prendre et puis moun kap vinn prendre la veye tout moi petit cabiche en fait puisque la veye la contrôler ou et puis il fait va il prend l'aller pour même distance pour passer maintenant géo pour regarder côté objet a passé il dégain dans disparaître et son bail comme ça qui a passé entre force l'audio force de sécurité yo, puisque n'a prendre gagner des membres de la PNH et des forces armées avec bandi yo comme bandi yo même yo déterminé. Il ne jure que par
prendre contrôle sous vle Solino à toute l'autre zone qui environne lieu et mais y a veillé la police à chaque fois yo prend pause yo replier moins si modélage la police fait moins si négligence la police fait yo profiter de lui et puis yo varie et de fait c'est ça qui explique retourne yo hier après-midi par rapport à tout ça nous joigne comme élément de formation Ronald des hommes et j'en ai dit hier matin les nègres retourné yo pas retourné en enfant de cœur donc c'est avec même mode opératoire il a tiré dans toutes les directions il a metté du feu dans caille etc. Et jusqu'à 5-6 heures, nous avons gagné des échanges via WhatsApp avec des gens qui habitaient pas trop loin sous l'INO, qui a non seulement fait m'entendre de son gros rafale d'armes automatiques, mais également qui a partagé avec moi des images côté qui a gagné la fumée qui a sauté sous l'INO. C'est la preuve. Gagne des bails qui a boulé. Est-ce que c'est caille ou pas? Ou bien est-ce que Negio a ajouté sous quantité caille? Il était déjà commencé à bouler depuis le 17 octobre jusqu'à week-end là. On ne sait pas. Mais ça que certain, bah, elle a été mangomée hier au niveau de Solino encore une fois. Ça qui a provoqué un pile panique, bon côté population. Hein. Un pile monde qui a fait réticence, qui a pensé qu'avec l'arrivée des forces de l'ordre, donc il a arrêté le Solino toujours. Hier, il a été obligé de courir, craser, guider ça. Mais panique, là, il a bon côté monde qui n'a pas habité Solino. Mais qui habitait dans zone avoisinante tout parce que monzayo yo dit tête yo si nèg yo ka retourner encore donc yo pas jamais connait yo ka réussi prendre Solino et si yo réussi prendre Solino yo pas épanier et là m'a parlé de monde qui habitait dans zone Nazon par exemple m'a parlé là de monde qui habitait dans série de rue qui croisait avenue Pouplard et la lue n'a parlé de monde qui au niveau de Christois n'a parlé de monde qui au niveau de Delma 30, etc. Mounzao était quand même paniqué. Hier après-midi, il y a une particularité qui était gagnée dans la journée, c'est que, en plus de coups de balle qui t'a acheté dans la zone Zao, dans cette cité-là, notamment dans Solino, mais tension est montée de cran tout, dans une série de l'autre zone qui pas trop loin Solino, qui pas trop loin Avenue Poplar. Par exemple, nous citer La Lue, nous citer Nazo, nous citer Delma 30, nous citer Christois. Et hier, n'importe qui est-ce qui était dans la rue, notamment au niveau de la rue, il était facilement ouais bon bagay qui pas clair, presque non badgé, non clin d'œil, la rue a été chargée à gaoudjou kaboulé, barricade un peu partout, dans différents artères qui ont rapport avec zone nous sous cité là, ou senti comme si on marchait pressé, monde qui était dans la rue a make sure pour courir rentrer, monde qui était dans série de zone a fait paquet pour aller, ça ou par contre dans quelle direction yo braler, qu'on ça tout il y a des monde tout qui pas concerné véritablement par attaque bandi yo, mais qui dit tête yo à n'importe moment si bandi yo rivé passer sur l'île arrivé sur yo même tout yo était paniqué, yo était prendre la rue et en pile là yo pas hésiter et mettez caoutchouc, mettez barricade dans plusieurs zones qui viennent faire une grosse panique hier après-midi ou bien en fin journée hier là dans Port-au-Prince, dans région métropolitaine, notamment dans zone ça yo n'a parlé là et panique là était tellement haut, il était arrivé jusqu'à Delma 32, Delma 40, etc. Maintenant, est-ce que ça t'est gagné dans la rue jusqu'à hier soir du très tard? C'est des gens qui t'a exprimé révolte, qui t'a exprimé ras-le-bol par rapport à comportement autorité de l'État face à nouvelle attaque coordonnée ou bien nouvelle assaut bandit. On ne sait pas. Est-ce que c'est des résidents qui ont anticipé, j'en ai dit tout à pour si bandit, tu as une intention pour étendre un tentacule sur de l'autre zone après Solino, tu tout mis des barricades, etc. pour empêcher bandit d'arriver très facilement. On ne sait pas. Ou bien est-ce que tout simplement c'est l'avènement de nouvel épisode de pays l'autre. Nous baronnons puisque nous baronnons comment journée et mardi après le passé, de quoi seront faites les prochaines heures. Au niveau de tabac, situation pas trop différente de ce qui a passé pendant le week-end. Tabac 27 notamment. Bandi a fait bal chanter tant que pipirit. C'est vrai, gagner des efforts, beaucoup d'efforts sur l'audio pour essayer d'être capable de reprendre contrôle de la situation, mais nous efforts pour reprendre contrôle. Sinon, on a bataille toujours. Donc, est-ce qu'il est capable de résister? Si oui, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, si nous avons ça passé, ni pendant le week-end, notamment dimanche soir, ou jusqu'à hier ou lundi, donc on sentit une certaine détermination bon côté criminel pour cimer la trouble en dans la commune Tabar. Il a noté pour la République, madame, monsieur. Je n'ai pas dit ça au Fricode, Tabar, ça n'a pas parlé là.
c'est côté qui censé loger pour mon arrondissement. Et si on a sorti dans route aéroport et puis on a pris direction Claircine, l'on fin quitté zone douane porte, ou fin quitté UHM, ou quitté zone côté qui gagnait Busis Cargo, et pour descendre Claircine, sur la main gauche, premier se rejoindre, ou jouer une base, mission multinationale là qui dit bonjour. Un peu après, ou jouer la direction centrale de la police judiciaire. Après DCPJ, on croit gagner la direction générale de la police nationale d'Haïti. Mm-hmm. Après on joint SWAT et après on croit on joint on base la mer, c'est base aviation la mer Haïti d'ailleurs. Donc c'est la preuve tabac ça n'a pas l'air là qui menace ou bien qui sous menace nèg examio, li gagner principale force sur lui là. Donc est-ce que nèg yo, les m'a parlé de nèg yo sorti dans force pas nous pour arriver dans mission multinationale là. Bon, nous pas dit qu'il y a encore parce que il y a de l'autre contingent qui vient petit qu'on lieu. Vous comprenez qui a ajouté sous Kenya yo. Donc pour arriver dans Kenya yo, donc est-ce que il y a bien capacité pour yo quitter bandi yo, faire ça ouvrir au niveau du tabac. Et si dans base nèg yo, côté nèg yo gagne toute ressource yo me supposé. Côté yo gagne tout matériel yo, on a les hommes. Yeah. Yo pas arriver mettre bandi yo en déroute. Donc on se demande est-ce qu'il va arriver faire dans l'autre zone qui pas forcément des côtés qui y a des bases, soit l'armée ou bien la police. Yeah. Mais jusqu'à présent la résistance est de taille. Est-ce qu'il y a capable kembe, c'est la grande question. Ou bien est-ce que bandi arrive en côté, yo affaibli et que y a fait bas, ou bien tout carrément la police a peut arriver faire ça le doit faire pour stopper yo. Nous pas connait. Mais ça certains balaté magoumé hier tout et il y a plusieurs monde qui prend balle. Guerrier sont à partager avec moi là en image pour des grands citoyens qui prend on balle dans poignette et cetera ou des balles là rentrer. En tabac 27. Tabac 27 ya. Pas dans la parle tout ça un phénomène qu'on y a là où les balles marron. Ça veut des balles marron, ça veut dire ou ne doit pas forcément habiter dans quartier côté nèg va attaquer. Et pour ou chita la caillou ou pas dans la rue, ou qui doit coucher sous cabanon avec petit ou avec madame ou même. Ou même si son fille avec Marie ou qui doit coucher pour quoi. Et puis c'est gado ou gade, ou est balle à percer fenêtre là, la rentrée. Et c'est tellement vrai, nous sommes ça qui passait jeudi dernier ou vendredi. Samedi. Jeune dame ça qui prend balle dans la tête au niveau de. De Solino? Non, Avenue Poplar. Avenue Poplar, ok. Pendant le tap gade télévision. Ah oui, oui, oui. Mais il y a de l'autre monde qui est victime de la même situation, Balma Onza. C'était militaire. Pendant qu'il y a échange avec Bandio, force l'autre Bandio, pendant qu'il y a Bandio capturé dans toute direction, même si on nous a dit ou pas prendre la rue, ou bien ou t'a dit ou pas habiter dans le quartier ça, ou pas forcément à l'abri, ou pas trop loin. Parce qu'à n'importe moment, n'importe balle, n'importe qui calibre, capable de percer gars, capable de percer finir tout, sur le quartier, capable de tomber, etc. Et faire n'importe qui dégâts. Donc ça veut dire, ni moun qui habite dans le quartier côté bandit ou attaqué, ni moun qui peut-être dans la rue, dans le moment attaqué ou fait là, ni moun qui habite dans l'autre quartier, ou bien qui retourne dans la caillou, qui décide de pas sortir, ou bien qui cache en bagarre, ou bien n'importe l'autre côté, yo pas à l'abri. Yo tout net capable victime à n'importe qui moment de assaut bandit. Ça c'est pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais nous connaissons tout. Ça qui est passé à Akaye hier après-midi. Et jusqu'à matin, nous parlions avec des moun au niveau de la commune d'Akaye. Situation n'a pas évolué dans le bon sens. Sinon que jusqu'à présent, moun Akaye ensemble avec le peu de policiers qui présent en dans commune avec ses kembe, avec ses résister. Maintenant, est-ce que vous avez capacité pour résister à une série de nègres qui lourdement armés qui sortent dans deux groupes armés différents? Parce que jusqu'à présent, information officielle qui est disponible fait état de bandits qui sortent dans base ISO dans village de Dieu prend la mer, bandits qui sortent dans base Jeff au niveau de Canaran prend ou terre et puis ont décidé à le mettre à Kayen en mitan. Ils sortent des cartouches, il y a des moun balavé qui au niveau de Williamson, qui au niveau de Lully, qui au niveau de Bercy, qui dit yo, yo pas contre si y a pour elle demain. Bon, y a m'da pas la veille hier. Tellement balap tiré. Gen qui prend risque à bec chou pour yo, si yo ka kou, y prend mon pour yo. Se yo pas connaît qui côté yo pralé, véritablement, qui côté yo ka arrivé. Par contre, vous comprenez. Et m'da pli, on me dit à que m'da fait confiance, qui parle de au moins deux morts sans compter blessé. Rien dans série attaque ça. Et c'est pour la deuxième fois que monsieur Bandio yo même yo attaqué. Est-ce que fois ça, il a privé, mettez Akaye dans la liste de territoires perdus, ou bien est-ce que dirigeant ou responsable, principale force de sécurité, a fait preuve de capacité face à bandits et du coup facilité la tâche? On ne sait pas. Mais nous apprenons des renforts qui étaient doués rive à Akaye, mais semblent renforts bloqués au niveau de
et route la fin qui dégagera pour entrer en carrière. Donc est-ce qu'il y a privé tout? Ça nous va connaître. L'autre situation que n'a pas souligné encore, c'est ça qui passé au niveau de Lester. Lester côté des bandits armés à bord d'une motocyclette, décidé l'ouvrir coup d'arme sous on l'école. On l'école mes amis. On l'école côté au dîme section primaire là, t'es fait fin terminé. Donc l'école fait fin terminé, timon a mec choubi au sorti, parents a venir derrière timon et puis c'est les sacs criminels sans foi ni loi décidé. Il décharge les amener sous l'école là. Et on parle de près de deux blessés et mon parent était pour un bal, malheureusement elle mourit sous cabane l'hôpital. Donc heureusement, nous dit heureusement parce que mon yo bien mouri, bilan pas aussi catastrophique par rapport à quantité de timon. On imagine pendant sans gouin malfrat t'a tiré là. Quand c'était timon qui était capable en bal parce que les timon était débouillé, il y a couru dans toute direction tout. Yeah, et négocié passé au passé à tirer, pas camper, à choisir monde pour tirer. Donc n'importe qui est était victime, n'importe qui est. Oui, nous dit heureusement parce que bilan est capable bilou, mais malheureusement pour parents, il est succombé à blessure ça sous cabane l'hôpital. Maintenant, nous t'a capable par rapport avec tout ça n'a décrit là. Comme situation de 16-17 octobre pour arriver jusqu'à hier soir, poser peut-être nos questions ça. Hein? Qui ça qui expliquait ce réveil brutal des groupes criminels de la coalition Vivre Ensemble? C'est peut-être une question préoccupante. Hein? N'importe qui est ici, tant que l'autre bord de l'eau, qui peut être intéressé à la question du pays d'Haïti, capable de dire ça passe, gang yo. Est-ce que l'initiative pour gang yo retourner si mais la terreur en d'un pays est venue de par eux-mêmes? Est-ce que c'est gang yo qui décide pour une raison ou bien pour l'autre réactiver tête yo? Ou bien est-ce que gagne des mains ou une main pour des raisons inavouées et inavouables et puis qui décide de dire chaud chaudette, n'a mettre pays à tête en bas, n'a mettre pays à feu à sang? Encore une fois, c'est des questions à poser, nous pas forcément gagne réponse. Peut-être les prochains jours capable aider ouais clair. Hier matin, Ronald Desormes, guerrier Dieu seul, madame, monsieur. La conclusion, si bad bouche nous te gagne, nous te dit on bagaille et nous demande moun yo pour nous souligner, pour yo souligner. Qui ça nous te dit? Nous te dit que jodi, avec cette nouvelle démonstration de force de vivre ensemble, population a doué peur, population a doué inquiétil. Nous pas qu'à mandou au monde pour dire nous pas peur, nous pas jamais peur dans la situation, dans cette situation. Pendant ce temps, moun yo c'est des moun qui inoffensif, c'est des moun qui adhérent d'eux, c'est des civils, c'est des moun qui innocents. Nous va dire au papa. Bon, l'autre criminel qui a décidé monter motocyclette et puis il les amis, décharger sur l'école qui gagne ti moun. Bon, qui ça ti moun yo ya avo. Donc faut couper. L'autre nèg qui a décidé de débarquer dans quartier ville tomber tirer à gauche à droite. Il y a de quoi quand même à s'inquiéter. Donc moi pas qu'a dire moun yo pas peur. Donc parce que la pérèse devine automatique. La caille chaque grand monde qui a vu vous dit que jodi à ces quartiers ça, demain si Dieu veut il gagne droit quartier pour là. Jodi à ces communes ça, c'est département ça. Mais demain si Dieu veut il gagne droit on l'autre commune, on l'autre département. Jodi à c'est un tel qui victime, c'est un tel qui prend balle marron, c'est un tel qui tire, c'est si mon un tel là. Mon dit tout, est-ce que ou à l'abri, il est capable ou même tout. Donc gain quand même assez de matière pour la paix. Même te dit tout. Ça paraît provoquer beaucoup plus de peur, si vous voulez, la caille population et la caille nous autres, qui sont tablés en particulier. C'est surtout le comportement de nos autorités, le comportement de nos décideurs, le comportement de nos dirigeants. Parce que écoutez, des bandits armés, des criminels notoires ont décidé de déclarer la population à la guerre. Donc, il y a des armes, il y a des cocktails monotov, il y a toute qualité valable pour faire la population en paix. La population va gagner rien, sans défense. Donc, seule entité qui l'a pour défendre la population, c'est l'État. Seul groupe qui l'a pour défendre la population, c'est le dirigeant, c'est l'autorité, c'est le chef. Voilà que nous-mêmes qui attendons la situation paraît compliquée et que l'État est capable de préoccuper l'autorité pour joindre une meilleure formule, pour entendre, pour qu'on ait une réponse pour eux, ils ont préféré bataille entre eux, tout au moins, ils ont préféré continuer la bataille qui était déjà initiée pour le pouvoir. Non contexte pareil. Je pense que ça doit inquiéter beaucoup plus. C'est comme si ou gagnez ou c'est Timoun ou gagnez un méchant qui a vu un bon problème qui a vu un attaque et puis ou alors maman à papa, ok, pour dire maman mais qui ça ou a subi etc. Maman à papa tellement bataille entre eux, ils oublient où existaient, ils ont pas soucié de vous encore. Et je pense que là on a plus inquiété que méchant qui a vu un attaque là. Parce que méchant a changé idée. Au revoir Zamzou là, il a décidé de dire bon va. Il a pris pitié pour vous. Les gars, comme son monde qui s'en défense, moi j'ai eu vos côtés, c'est tout seul. Mais maman, à part pour qui te doit soit empêcher méchant, ça vient sur vous.
ou bien empêcher ou continuer victime, yo pas même ouais ça tellement occupé dans bataille entre eux. Parce que ça doit plus préoccuper, ça doit plus inquiéter. Et c'est ce qui arrive dans le cas d'Haïti. Ou gagne un pouvoir qui est constitué de deux têtes. Il y a d'un côté le CPT et de l'autre côté, il y a le gouvernement avec un chef qui est Gary Goni. Situation vini là, Britsoukou, tout le monde met en tête. T'as posé question, je dis ça qui passe gang là. Ou qui comme l'impression que même les forces de l'ordre dépassé par les événements. Donc au lieu que yo t'a dit même si nous yon pas vle l'autre, même si nous yon a manger l'autre, même si intérêt ou pas même, même si y a divergence, même si y a désaccord, mais on garder pour nous c'est capable et entendre nous pour nous qui formule nous ka joindre pour nous camper en face ennemi commun, bon supposé qui c'est gang pour nous défendre population. Même dans cas c'est des adversaires politiques donc qui pas dans le pouvoir. C'est des gens qui n'ont élite politique là, et puis qui sont des acteurs avec idéologie différente, ils n'ont pas vu l'autre. Le fait que je dis à la pays dans la situation ça, et que gang yo j'ai frappé là, yo pas fait exception, donc pas de monde qui vient dans la ville là, ou t'as capable même dit acteurs politiques ça, ou des ennemis jurés politiquement, il y a une nécessité pour que tu aies ensemble pour que tu dis, mon cher Ben, ouais, c'est capable d'aider dans la bataille qui a fait contre le grand banditisme, contre le phénomène d'insécurité. Voir que je dis, on a parlé de l'État qui t'a doué yon et indivisible. On a parlé de l'État qui t'a doué yon et indivisible. Chaque nègre, chaque groupe décide où il y a là, yo a pris la fait par yo et il s'en fout pas mal de population qui a monté le ciel par dos avec gang yo qui passe suspendre commettre des actes criminels matin midi soir dernier jour ça. Au exemple, hier matin de très tôt, le premier ministre Gary Conille convoqué un ensemble d'autorités qui vient pour avec principale force de sécurité en navire. Objectif rencontre là, c'est une café ça qui écrit sous compte primature la confiance, c'était évaluer situation hein. Côté Gary Conille bail position ou bien réaffirmer position qui pas doué, c'est de aucun autre territoire, surtout ça a récupéré déjà. Bon, Gargoni qui a parlé, c'est pas moi. Deuxième marala, c'est à rappeler immédiatement plusieurs centaines de policiers et de soldats qui détachaient avec des VIP. Avant de retourner sur objectif rencontre, M. Goni là, ou bien avant de garder décision qui prend, mais parallèlement tout, ou bien peu après, le CPT a réalisé même rencontre là, presque avec même Mounio. À la seule différence, dans la rencontre M. Goni là, t'es gagné Madame Dominique Dupuis, vous pouvez deviner un ministre justice d'après photo yo, mais dans la rencontre CPTA, pas de gagné Mounza yo. Mais, si vous regardez ni notre la présidence, si vous regardez ni notre primature là, marron, vous comprenez non? C'est presque le même objectif là, qui c'est évaluer la situation, hein? Garder qui ça stratégiquement disposition au carré, et puis, du coup, ouais, ça me dit là, ouais, comment on va orienter l'action immédiate yo. Mais quand y a la m'dara vous question. Est-ce que c'est au courant, Gary Conille, pas au courant que CPTA a gagné pour le rencontrer avec la MEA, avec la police? Ou bien est-ce que c'est au courant tout, CPTA au courant tout, que Gary Conille lui-même, il te font rencontre la matinée? Ça dit, chaque affaire a fait pas yo. Ça veut dire, Ramon ensemble avec Derby et puis tout l'autre monde qui est dedans, au commandement, soit pour l'armée, soit pour la police, il fait que sortir une rencontre Conille là, et puis il tout traversé dans la ville d'accueil pour aller dans la rencontre avec les civils et puis l'autre conseiller. Pourtant, yo toutes les deux, on parle de deux groupes, pour aller parler même bagaille. Oui. Donc qui ça qui empêche ou bien qui t'empêche que pour concertation qui fait qui dit n'a pas conscience de travail ensemble puisque c'est même l'État, c'est même pouvoir pour nous discuter bagaille ensemble et puis pour nous définir stratégie ensemble pour nous connaître qui meilleure réponse nous capable à la situation ça là ou bien pour nous coordonner réponse là parce que c'est même exécutif là. Et d'après information gagnée, le conseil présidentiel n'était même pas au courant que M. Conille d'après le fond rencontre le matin. Ça veut dire yo planifie rencontre pa yo, un, yo pa mette Gary au courant, Gary planifie rencontre pa, yo pa mette au courant. Donc c'est ouais, c'est la presse qui a parlé, etc. Mais ça fait l'aide, monsieur. Ça fait l'aide. Par contre, vous comprenez. Pourquoi ça c'est moun sa yo, même yo te prend maintenant tête pays à même. Voilà que nous, même, comme des citoyens paisibles, je le répète, des moun qui sont défense, qui l'a deux bras balancés en face des criminels qui ont mes joues dedans. Seul groupe, nous te ka et nous te ka compter sur nous, c'est l'État. Et puis, il y a deux groupes même qui bataille, ils chacun décidé qui est-ce qui peut chercher l'autre. Moi, je bataille dans la situation normale. Moi, je bataille dans la situation, comment vous voulez le commander la meilleure? Derby. Vous savez pourquoi? Parce que Gary Conille doit avoir des gens, ok? Et puis, il passe son lot, ou bien il demande pour prendre des dispositions. Et puis, CPTA, ou des gens, lui-même. Et puis, même s'il pata aller dans ce contraire là non mais il y a des approches qui capable mettre
monsieur l'autre gars connu yo et ou bien qui capable de mettre responsable inconfortable dans difficulté bataille même dans la mort comme si pour moi j'étais connu qu'on dit bon monsieur mais ça ne va le faire ou bien dit la mère mais ça va faire mais ça va le faire et de fait dans CPTA et de fait une décision qui prend parce que le gouvernement annonce pour que yo rapatrier et tout policier qui était avec VIP yo donc nous pas connaître est-ce qu'il y a parlé des anciens VIP ou bien de monde qui là qu'on a qui a pouvoir mais oui il a dit il a parlé de policiers et soldats yo il a dit qu'il a unité d'élite donc unité spécialisée yo donc qu'on a pas gagné dit que c'est ça monsieur CPT au devlé yo même on comprend ou imaginez que il a dit directeur général la police là ou bien il dit lieutenant général la MEA que même pas n'avait ça pas occupé ou même tout ça pas ta rien maintenant dans placé ou non mais là moi pas ta rien maintenant placé Gerbi guerrier parce que ou a chita avec monsieur Goni probablement qu'on Jean Louis Bayo et puis il dit mais côté de m'braler ou a chita avec Leslie Voltaire avec Perlio et Abdou mes côtés vous voulez aller etc approche vous doit mettre monsieur puisque vous différent vous doit mettre monsieur dans petit soulier par contre vous comprenez la preuve en est bien grande avant hier monsieur Koni a visité base là mais pas vrai nous une vidéo il fait côté la dit est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait on voit est-ce qu'il pas pas ça en folklore il folklore bref vous comprenez côté monsieur Koni a dit la mais est-ce qu'il avait on prend c'est bagage est-ce qu'il capote sur etc base ça dérangé nèg CPT parce que pour eux même monsieur Koni pas gagné autorité ça commandement sur la MEA c'est président de la République là yo dit ça Koni a fait là pas rien pour résoudre problème ça fait pas Koni a fait c'est pas la politique Koni a réglé yo dit tout carrément le Koni fait ça il violé article 141 constitution etc qui dit c'est président qui c'est chef suprême là et moi je dis la République combat là gagné instruction qui passait à commandant la MEA n'a parlé de lieutenant général Derby Guerrier si vous voulez regarder m'a dit moi m'a parlé je dis désormais c'est CPTA qui vous balle l'ordre qui vous balle l'instruction ah ben moi prendre ça me dit à vous pour qu'elle va attendre après ça qui passé à moins de jour comme ça que CPTA entend mieux que désormais si chef la MEA gagne des bagages à discuter gagne des dispositions gagne des consignes à prendre c'est de la présidence. Donc si là mais a pas déployé c'est CPT. S'il déploie tout c'est CPT. Donc ça fait c'est Koni qui a venu rencontrer l'armée qui prend la base de l'armée qui a demandé l'armée si ou avec qui a dit l'armée en al bataille qui a dit l'armée faut que vous fassiez ici. Je dis couper ça sec. De chaque monde prend pas. CPT a volé l'armée. Koni c'est chef CSPN. Koni prend la police. Oui. Parlons de CSPN. Moi très honnêtement, ça c'est position pas. Moi je pense que c'est son CSPN spécial lui. Monsieur Koni va le faire depuis week-end dans le début semaine. Réunir directeur général de la police, ministre justice et sécurité publique, comme lui-même, lycée ministre intérieur, inspecteur général en chef de la police, etc. Et puis, garder. Non, mais il y a bien plus force si CPTA, ensemble avec Koni, ensemble. Est-ce qu'on ouais. voulait travailler ensemble? Faut si c'est pas une bataille automatique ou guerrier? Est-ce qu'on voulait travailler ensemble? Non, mais c'est ça, Mdou. Il y a bien plus force si c'est ensemble, il fait toute démarche, ça. Il n'y a pas besoin de ça. Ça, il a besoin même. Qui ça, il a besoin? Hier, m'a dit ça, et Johnny, m'a dit que m'a trompé, m'a dit que gagne deux administrations, en deux d'administration de l'État, gagne d'une part administration CPT et puis d'autre part administration Gary Koni. Mais pour payer, m'a pas ajouté une troisième administration parce que son c'est regrettable que m'a dit, mon gars administration gagne tout parce que yo imposé loi yo fait nous vivre gens que yo voulez, yo gagne droit de taxes que yo prélevé sous nous etc. Et m'a regardé une bataille qui a fait dans pays là dans trois niveaux au sous tapis effleuré question Johnny CPT a bataille pour prendre plus pouvoir pour étendre pouvoir Gary Koni a mené même bataille là toi avec gouvernement pas là pour que le prend plus pouvoir. Mais plus pouvoir pour faire qui ça oui? Plus pouvoir pour faire qui ça? Et puis parallèlement, gang yo même y a bataille pour prendre plus territoire. Elle dit pendant monsieur sous pouvoir bataille pour pouvoir, gang yo même y a bataille pour espace, y a prendre territoire, est-ce que vous comprenez? Non, pas moi, Donald, j'ai l'impression ouais même mais ça, yo tout gain même finalité là. Là on gain plus pouvoir, yo ka voler plus bien, yo ka gain plus l'argent. Bandi yo également là gain plus territoire. Il y a un plus bas dans mes yeux. Oui, c'est même finalité. Yeah, yeah. Oui, donc, même objectif. C'est dommage. Trois administrations, ça remet ensemble pour caser le pays. Maintenant. Vous voulez dire gang et
et gouvernement qu'on est là ensemble avec CVT avec ensemble. Même objectif, Oui. Les... On tripartite. Oui. Bon, CVT a même avec tout le gouvernement. CVT avec le gouvernement. Non seulement il y a un objectif, il dit, pour probablement faire plus l'argent dans le moment ça, mais préparer pour la prochaine élection. Il est capable de mettre le monde par dans le poste électif et gagner contrôle pays pendant 10-15 ans qui va venir. Ça, c'est dommage. C'est dommage et c'est la rage que yo exécutif à deux têtes rive dans le carrefour côté que yo transformé en deux exécutifs pour le pays. Gary Kone dans le gouvernement pas là. CPT dans la présidence pas là. On rappelle les contextes que yo te venu et rôle que yo gagne pour venir jouer dans la conjoncture ça. C'était d'abord tête ensemble pour résoudre une crise multiforme qui a brassé mille populations depuis quelques temps. Voilà que tous deux rentrent dans une dynamique gourmet entre eux par rapport à un problème qui était déjà pour une population qui c'est problème de sécurité. Hein. Donc ils mettent tête ensemble, ils gourmet contre eux au lieu que ils t'a fait front commun pour bataille contre menace que gang Axam représentait pour pays. Hein. Maintenant, moi-même Johnny m'a t'a parlé de ça tout à l'heure. Bataille ça yo, yo pas viser l'autre bagaille que en venir mes crises là, craser davantage espoir que population a gagné. Et nous te dis ça, tout autant que pas gagné harmonie entre deux entités ça yo, c'est tout autant que ou a gagné impression troisième entité elle plus fort et troisième entité a continuer fait travail que l'a fait. C'est pas moyen non. Gang yo a ferrailler comme ça souterrain. C'est parce que il y a deux entités qui pas jouer rôle yo, qui absent. Et puis la nature a horreur du vide, gang yo apprend. Ouais, poser. Ça comprend? Ça va simplifier oui. Maintenant, vous avez souligné tout à l'heure et ça c'est regrettable m'a dit ça hier sur les réseaux que chef gouvernement rencontré au état major la mère la police, la présidence qui représente par CPT aujourd'hui, la patte qu'on est là, le rencontrer tout. C'est la preuve que ni CPT hein, ni gouvernement, y a pas grand pour faire. Je pas prêt rien. C'est quoi même rencontre la fête. Parce que si même rencontre la fête autour de un même problème. C'est que yon n'a pas prêt rien. Même objectif. Et c'est dommage ou ça dit ça pas taille maintenant place ni général en chef Lamia ni directeur général la police là. Ça vite mettre dans tête pas comme conclusion que ni directeur général la police là ni commandant chef Lamia, yon pas prêt rien tout parce que yon temps. Yon temps. C'est comprend. Ouais. Depuis que nous avons souligné tout. Yo pas prêt rien parce que yon en compte. Et m'vin comprendre pour qui ça que depuis dernière phase transition s'est installé dans le pays, c'est dans le compte seulement qu'a fait. C'est parce que pas gagne rien de concret véritablement que l'État a réglé par rapport à problème yo. Vous voulez dire plus faire rencontre, plus faire photo que résoudre le problème. Non mais l'éclair. Vous comprenez l'éclair. Donc rencontre a multiplié, chaque nèg a exercé chef yo, chaque nèg a exercé pouvoir yo et puis pour dire situation intenable là, où sont absolument à l'heure qu'une presque prend mon loc. Ah, moi si, même si ça moi hier après-midi a li reproduit à partir de jeudi ou l'autre jour, c'est loc la bien. Oui. Parce que canapé va tout fermer porte li là, pendant mon a courir tout fermer porte li. On va rentrer on va sortir. Yeah. Ou moi la lume d'eau ba qui dans la rue caoutchouc a boulé. Crisso même qui était quand projet Delma 32 même. On dit moi. Oui, bon, pour finir, dans la bataille pour pouvoir ça là. Il y a bataille pour prendre pouvoir, Tikras par Tikras. Et puis, bandi yo tout y a bataille pour prendre pays, Tikras par Tikras tout. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit que, écoute, quand bataille pour rétablir sécurité, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville là. Mais c'est l'inverse qu'on a fait là, oui. Bandi yo prend territoire, caille par caille, zone par zone. Quartier par quartier. Quartier par quartier. Est-ce que vous comprenez? Puis, il y a un slogan, bandi yo, il y a un débat. Il y a son formule tout le débat. Mais je vais poser une question avant de finir, mise en contexte. Est-ce que nous pensons qu'il y a une possibilité toujours harmonie ça n'a prôné qui peut gagner entre les deux têtes de l'exécutif pour nous joindre? Question à vous deux, guerrier de ça. Non, mais on peut guerrier puis quand même. Est-ce qu'on pense le possible? Le regarder, bon, regarder les Steve Voltaire comme président CPTA ensemble avec tout le reste conseiller. Ou gade Gary Kone ensemble avec tout le reste gouvernement et vous gade agissement ou gade comportement. Est-ce qu'on senti harmonie nous vle ya, harmonie peuple attendre en tant synergie sou vle n'a prôné ici a li possible dans mitan deux entités sa yo pour avancer li pas facile non peut-être si m'a parlé pour tête moins m'a ka dire le possible. OK même par contre qui groupe sa yo qui intérêt ou gagne. Est-ce que ça a fait là c'est li mettre yo devin faire? OK parce que nous même nous ka penser que yo dans
dans mauvaise direction et pourtant c'est là yo te vle aller, mais bon, c'est son souhait. Ouais, chita ensemble, parler ensemble, agir ensemble, c'est peut-être ça nous t'a souhaité, c'est ça majorité population t'a souhaité. OK, et de fait moi-même c'est ça m'ta souhaité. Mais qu'on est-ce que il y a privé fell ou pas? Ça c'est monsieur qui connaît. OK? Parce que c'est eux même qui connaît. Si yo d'accord que ça n'a vivre là, nous mériter plus toujours. Nous mériter descendre plus toujours dans la boue. Ça c'est eux même. Okay. Peut-être créons l'histoire à sanctionner eux. Mm-hmm. Et eux-mêmes, nous autres. Moi, cher, moi-même, premier bas, là, je garde en tête, je garde des deux côtés. Chaque nègre a un objectif par yo. Et l'on a pouvoir danser dans la tête, yo, nègre, donc, c'est eux-mêmes qui pour là. Par contre, qui formule que vous êtes capable de passer pour que vous harmonisez ou bien vous synchronisez, ça de synchroniser pour permettre que vous sortiez. Mais moi-même, moi, doute fort, puisque, garde bas, peut-être, nous pas dit, mais garde l'agenda politique qui derrière chaque acteur, yo, qui est différent. Yo, chaque sous en ligne. Parce que, yo, n'en bas, vous ne pas minimiser. Après comme si ça qu'a fait là, là comme si on d'accord que c'est Jean-Louis me dit là c'est haïtien qui peut réussir ensemble peut prendre initiative. Non, c'est parce que il y a de gros intérêts politiques et de gros intérêts économiques, ils ont pas aller dans sens l'autre qui a joué sous terrain là qui permettre que gain dos à dos entre deux têtes exécutives là. Parce que Gomba et Johnny pour t'agarder et c'est ça que me sceptique que harmonisation ça qui arrivé. Gomba pour t'agarder, ça pour t'agarder qui fondamental là, c'est Gary Conné à travers agenda politique li, à travers agenda économique li, et Leslie Voltaire parce que ouais nèg yo font bagaille là, ou gétan boisson bagaille là, ou prend résolution pour dire Voltaire président tout monde emballé, mais faut te comprendre que gon plan derrière ça. Gon paquet nèg qui pral dans élection, gon paquet enjeu électoral qui souterrain là et chaque nèg côté yo campé a toujours voulu que c'est pas là pour passer. Ouais. Non mais même pigou problème, c'est parce que élection pas qu'a fait si problème ça a pas résoudre. Problème de sécurité. On a une élection à tout le monde. Ça dépend. Ça dit, il y a quand même des gangs opposés. Au cas où on fait élection à gang, si mettre gang, si mettre gang, il arrive et côté pour arriver à donc on commande messieurs font poser faciliter l'élection. Les amis bébé toujours puis on fait élection. Ça qui est important pour finir pour me répondre une question qui fait que moi même pas croire que entendre impossible. Alors son information balba ou là, m'a tout bail la République tout fait poser une question. C'est parce que moi dit tête moi côté Haïti dans tout ça. Bataille qu'a fait là ou pas ouais Haïti là dedans non. Ou pas ouais monde bandi a mettre deux yo non. Ou pas ouais monde qui exposé par rapport à insécurité alimentaire là non. Ou pas ouais monde qui exposé par exemple à problème et kidnapping qui décapitalisé monde etc non. Ou pas ouais question stabilité pays là dedans non. Est-ce que vous ou t'as dit c'est pété à bataille yon nan intérêt pays à l'autre là ou pas ouais ça ou a posé des tout questions mais qui intérêt Haïti gagne dans ça qu'a fait là ou pas ouais au cœur de action que l'acteur a posé. Donc moi même nous doutons fort que harmoniser ça li t'a capable possible à travers deux agenda spécifique que chaque acteur gagne. Peut-être moins très sceptique tout et malin dans le même sens là avant. Et ce n'est pas opinion encore cette question de l'agenda. Moi-même, moi en mesure par rapport avec le monde qui parle avec le monde que chaque nègre qui a fait politique là, chaque nègre qui est dans l'espace pouvoir là, chaque nègre qui est dans CPT ou bien dans la primature, il y a tout un petit agenda. Et vous expliquez clairement, vous avez retourné sur lui, vous avez un agenda politique, vous avez un agenda économique. Yeah. Et malheureusement, dans tout agenda, Haïti n'est pas pièce côté. Et c'est ça qui doit inquiéter. Je ne sais pas si la République a une chance d'entendre ou entrevue que le ministre de la Justice a été confrère de Magique 9 hier matin. Je suis dans le journal, moi-même, je partage les liens sur le réseau, je suis dans un petit bout là-dedans. Mais la vie de ministre de la Justice, c'est un petit bout que je suis dans le monde. Je me rends compte que la bataille qui a fait là, c'est pour la bataille qui a pris fin demain matin. Parce que bon côté, même si tu as dit implicitement ou explicitement, ministre Justice Garigoni là, indexé la valace tout carrément. Hein? Yeah. Elle a dit nous changer mon guide des amis en 2004, mon guide c'est ça. C'est comme si lui dit c'est la valace qui a crasé le cap des amis. Est-ce qu'on pense que la valace pour vous n'est qu'une gonnée pour aller arrêter croiser le balévé après des cas de ce qu'il a fait comme ça? On a parlé de ministre Justice. Ouais. Le qui te doué, même l'autre a une position politique, même l'autre a une opinion politique, mais tellement situation fragile aujourd'hui, et que la population attend de ou de gouvernement là, ou même en particulier comme ministre de justice. Donc ça, ce n'est pas des déclarations qui doivent faire publiquement, même l'autre a gagné des positions personnelles sur ça. Ouais. C'est certain qu'on va avoir une réplique là. Fais-moi confiance. Avec vous, bagaille. Deuxième bagaille. Discours pas de place là. Donc ça, ça va l'aider. Deuxième bagaille. Juste correspondance et primature et villa d'accueil ou bien CPT, gouvernement ou bien Gary Conné, Leslie Voltaire.
Nèg yo comprendre dernière correspondance les Voltaire là, par les Voltaire, Gargoni là comme provocation. Dans sens que Gargoni dit yo, c'est dans gouvernement baïo qui a bien remaniement, c'est dans gouvernement baïo. C'est comme ça là vous comprenez. Yeah. Et madame monsieur nous mettre noter ça. Il n'a toujours pas sorti. Maintenant minute n'a parlé là, gagne une résolution qui est en cours de préparation au niveau du CVD. On dit ça dans la résolution, il y a deux bagages clés. Il doit y avoir l'autre bagage, mais il y a deux bagages clés. Pendant ma passée, puis j'aurais moins bon moins. Pour le bagage là, on a demandé pour Gargoni libérer le ministère égalien. Ça veut dire que le ministère, on a décidé, ce n'est pas M. Koné qui pourrait parler là-dedans. Et m'a cité pour la République. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère des Affaires étrangères et des cultes, ministère des Finances, de l'économie et des Finances, qui avec coopération externe. Il y a demandé pour Gargoni libérer le ministère égalien. Deuxième bagaille qui est dans la résolution, bon, à savoir s'il a passé, un document qui est apparu là. Deuxième bagaille qui est dans la résolution, et c'est pour montrer que solution n'a pas cherché ou là, ou bien harmonie n'a pas prévu, il va vous demander. Parce que la bataille a fait carré. Deuxième bagaille qui est dans la résolution, madame, monsieur, n'a pas demandé pour Gargoni retirer bagaille jumelage ministère dans la tête. Donc ça fait deux ministères fonctionnables, il va comme ça. Et il dit pour retourner à tout ministère, qu'on a demandé Mbogiza. Ma faute, moi, je me dis, on va parler. On va parler, on va la République au bout de mer. On approche des élections. On paquet de partis politiques qui dehors, et vous avez besoin de moyens. Et vous dites pour ça, pouvoir ça ou bien gouvernement, là c'est 9 secteurs qui mettent. Vous dites que c'est pas 9 secteurs seulement qui sont dans le pays. Donc libérer le gouvernement, permettre que y ait des secteurs qui impliquent dans le pays. Il y a beaucoup plus de secteurs qui participent dans le gouvernement. La République, mais ça va discuter là. Moi-même, je dis nous, si nous voulons prendre l'oseille, on a pris l'oseille. Pour l'argent qui a circulé. Ah, vous avez raison. Et pas étonné dans les prochains jours, qu'a saisi une coalition, donc c'est le groupe politique qui pas forcément même idéologie et puis qui décide de jouer dans la région. Tenez bien ça me dire. On dit un en résolution ça n'a demandé ouais par ouais faut que le maniement ministériel la fait. Il demandé faut que monsieur connait libérer ministère égalien. Avait dit baïoul. Et deuxième barrière là, retirer question jumelage entre deux ministères. Ça fait ministère éducation à fond seul à ministère culture là pour ça. Ministère finance à fond seul à ministère et coopération qui débat ça. Ministère tourisme à fond seul à ministère commerce pour débat ça. Ministère des Haïtiens vivre à l'étranger fond seul à ministère des Affaires étrangères là pour débat ça. Parce que vous dites ça pas utile rien, ça va vous aucun résultat. Il dit pour élargir cadre là pour permettre que conseil de secteur qui te domine dehors pour rentrer dans le gouvernement. Et ça vous bail comme alibi. Entrer dans le gouvernement pour nous faire qui ça? Une travail, une sauver. Pour une travail. Et les mettre bosin. Eh ben. Li les gars connait là. C'est comme si gars dit nayo, voyez soufiel. Est-ce que vous pensez sur cette base que Harmonie n'a pas parlé à l'âge pour demain? Expliquez-moi. Gonzan me pose une question sur mon forum hier. Qui est-ce qui a parlé avec les Voltaire parlé avec Gargoni? On me dit pour y faire camper sur ce qu'il a fait là. Gonzan me répond, des fois, où est-ce qu'il y a une chaque monde a défendu à faire par exemple. On y a intelligent que nous y monsieur. Mandez-moi ce qui a passé si Gargoni n'a pas occupé la résolution. Mandez-moi ce qui a passé si Négio t'a sorti la résolution, t'a adopté la résolution et que Gargoni n'a pas suite avec elle. Mandez-moi ce qui a passé là. Et vous dites, il a prévoqué Gargoni. Comment ça? Tu as pour faire ça? S'il n'a pas démissionner, il a quand même démissionner dans un premier temps. Mais dans un second temps, il a dit, il a prévoqué. Comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Et puis, moi, je démissionne, c'est peut-être mieux. Non, c'est vrai. Comment il a fait ça? On dit à la rue, on pense, président. Non, là, mais laisse, on parle de bataille. Ah! Chaque nègre prend. Comme là, mais c'est pour. Eh bien, il y a même un côté nouvelé à l'arrière. Comme là, mais c'est sous compte président Slié, pas vrai? La police là c'est premier ministre. Yo chaque après un groupe on veut tirer une sur l'autre. Après Val pas ta mouri. Bon tu dois faire comme ça. Viens arriver là. Attention à ma propre. Préfère arriver là. En pile là dedans ta mouri. Va faire quoi le dit. Va faire. On dit qu'on va faire ça. On a des hommes. Mais yo dit Gargoni va signer accord toi avril. Yo dit son job le bagarre. Vous comprenez? Wow. Ils disent son job est bagarré, donc le fait que son job est balé, ils ne sont pas satisfaits du résultat, ils ne sont pas satisfaits. S'ils ne parlent pas avant ça. Ouais, Brian Nichols est obligé de mettre bouche là-bas. Yeah. Dinez que l'heure, c'est. Entente. C'est entente, c'est unité nationale, c'est pas bataille au pouvoir, etc. Yeah. Brian Nichols qui est obligé de mettre bouche là-bas. Brian Nichols qui est obligé de mettre bouche là-bas. Donc si résolution ça a sorti, il faut décourager mon monsieur Koné t'a dit négio, allez péter dans les fleurs avec résolution, ou mettre ferme confiance. Prochaine résolution, c'est soit pour demander la démission de monsieur Koné, ou bien
pour adopter une résolution qui dit désormais qu'il va reconnaître M. Boïkoni comme Premier ministre encore. Et puis, il va. Donc, ça veut dire que nous disons une bataille. Mais qu'on y a la bataille à quelle fin? Et qu'on y va décider de céder, les m'a bien gardé. À quelle fin? Blague, blague. Et dans l'élection, vous allez? Qu'est-ce que vous même là? Bah, le voici toujours. Nous avons estimé que vous pas touché depuis mois septembre là. Je dis à 22. Ah oui? Qu'est-ce que pas touché? Nous avons vidéo. Oh, oh, bah, on va toucher. Hein? Vous pas touché? Ça, les finances pas payées. Yo dit c'est le problème qui gagne au niveau de finances, etc. Mais yo quoi dire comme faire c'est Monsieur Goni. Ça qui intéresse yo. Ah, yo pas yo pas de manger la caillou. Faut pas. Yo fait briller. Soit faut pas se barre monsieur. Tout comme ça que yo pas touché depuis tantôt mois là, yo pas touché aucun frère. Pour manger à yo manger. Même nous yo manger parce que yo ne doit pas payer service traiteur qui va au manger. Vas-y chaque jour va au manger dans ce pays va au petit du vin va au manger. Et pour ça finance pas payer yo pas gagner l'argent yo même. Non finance pas au frère yo pas gagner frère gaz frère téléphone. Pour ça pas payer. Pour ça pas payer. Et yo pas gagner yo pas toucher salaire. Pour ça pas payer lui. Yo dit gars qu'on est bloqué. Et ça me doula oui. Mais qui doit reconnaître pour bloquer là. Pour la baron disait vrai. Et ça yo pensé. Alors ce que doit son problème qui est au niveau du ministère, me supposé. Je dis monsieur Goni bloqué. Je dis monsieur Goni passer le trois chef. Nous avons un besoin du ministère finance. Pour pas travailler encore. Pour le toucher. Ouais. Là, il dit, pour ça va arriver encore, pour ça va répéter. Mais ok. Je fais mon regret. Je fais vagabond à brasser sous vous. Vous comprenez? Et puis, il n'y a pas rien. En tout cas, il y a dit qu'on est. Rien. Ou mourir pour tête ou là. Vagabond même après que l'affaire. Il fait au mal comme ça. Là, qu'on a des besoins pour le ministre, pour Jean qu'on a acheté figure. Quand conseiller président dit, bon, par là, il vient dans la bouche, moi, pardon. Conseiller président dit comme ça, là, qu'on est arrivé en Haïti, il dit, monsieur, je suis là, je suis à votre disposition. Il y a un message. Et puis, conseiller a fait jolé. Il a dit, ah, vite, premier ministre, il y a un crime là-bas, monsieur. On ne peut pas le faire, monsieur. Et c'est après, là, il y a réuni, il y a compte son podcast qu'on y dit. Il va y tout conseiller. Il dit, même, il pensait, il a dit, son petit gars, il va le contrôle. Le conseiller président qui a passé, c'est des privilégiés. On dit, je ne sais pas de quoi tu connais. Son job, il est passé pour une interview. Pour comprendre. Il a un job là, il a une feuille de route pour le respecter. Et vous-même, là, tu as un job là, vous-même. Ah, il a mis un gousin. Mais il faut comprendre que chaque c'est un monde, un groupe qui a un job là. Donc peut-être que tu as un job là. Ou est-ce que tu as agi sans groupe qui a un job là? Parce que ce n'est pas le peuple qui a un job là. Ce n'est pas le peuple qui a un job là. Il faut réfléchir. Le monde qui a un job là, est-ce qu'il est prêt pour le quitter et révoquer Koni? Façon n'est que pour qu'on a parlé révocation hein n'est dit comme ça il a préparé une résolution là il a metté et monsieur Koni face au mur et puis il a dit mais non remaniement libérer ministère régalien yo et puis retirer question jumelage là etc. dans le cas contraire donc Koni même pas grave prendre tout pour lui tout non hein il a accusé Koni que Koni gagne un groupe pal la favoriser au détriment de yo ministère fait fête de yo bah n'est que ça au besoin pour libérer pays là ministère fait fête de yo bye n'est que comment vous culture que tu as pas gagné pas gagné oui culture avec éducation fayon sport mais c'est grave c'est dans contexte économie planification on bail planification pour ça madame dans pour compte dans ministère finance et dans planification hein commerce avec tourisme seul ben bail touriste là bail il a fait touriste rentrer dans pays là ou bien ou bien je me connais non mon baguette magique qui fait pour faire tout ce qui est dans le pays oui ou bien je me connais en tout cas qui est au Bayonne qui est l'autre la Gimbel du pareil ou même parce que c'est pas un sérieux oui on comprend c'était à Haïti là donne un pareil nous qui t'en parlé déjà nous parlé de enjeux gains nous parlé de intérêt nous parlé de agenda chaque monde qui a agenda va au sauf Haïti donc jusqu'à bon on fini pour nous dire jusqu'à bon Brad Fels a lui-même l'y a privé. Et malgré mettre au parler parce que dans des blancs vins là ben Nicole sorti tout là carrément il clairement dit nèg yo les c'est pas pour batailler les c'est pour mettre tête ensemble pour gommer contre gang etc pour ba etc malgré ça nèg yo décide frapper qui va arriver ba on est okay. Sauf que la valasse prend déclaration de guerre yo très deux guerres très au sérieux on a pour qui ça déclaration de guerre là même qui importance ni côté ça mener non regardez où est-ce qu'il y a jamais si pas grand tant entre deux parties là s'il y a jamais un conseil des ministres qui fait là moi qui d'autres médias qui t'a parlé et cetera nèg yo dit même yo pas chita même côté avec non conseil des ministres alors conseil des ministres et me pas c'est ça qui était un petit genre fait confusion là il y a monde qui dépensait que tu dit dame n'a pas qu'à aller dans village d'accueil et au dit me jeudi 7 octobre là même sans provocation et je dis me connais avec dans la porte maintenant dans village d'accueil là
Mais je dis pas j'aime dire dame dans bagarre là une décision l'état. Oh ça n'a que ça de la vie dans bagarre là. Il pas cachital, pas siéger dans conseil des ministres. Il a mettre le dehors. Ah ça. Il va quitter l'entrée ou bien. Il va quitter l'entrée, il va passer sécurité l'ordre pour pas quitter l'entrée. Mais pays. Entre-temps, les gangs ont entendu coalition a frappé puis population est victime. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Mais espérer la République prend note. Parce que tout ça on a dit là que c'est sérieux, que c'est blague, que c'est rancé, c'est peuple là qui est dans la merde malheureusement. C'est citoyen, c'est population. Yeah. Parce que de toute façon, nèg sa yo, à la fin de la journée, il y a manger à boire. À la fin de la journée, il y a dormir dans caille qui est climatiseur. À la fin de la journée, il y a monde qui a sécurisé. À la fin de la journée, il y a fait l'amour à madame yo, il y a fait l'amour à mari yo. C'est nous mêmes qui les gars amis comprennent l'importance tête ensemble. Ouais ça vous fait. Yo met tête là ensemble. Yo met tête là ensemble. Yo met tête ensemble. Il a frappé. Le bon dirigeant. Le bon. Avec. Le bon juste.